Ceci est une histoire qui date de mes années du lycée. Je faisais partie du club de basket et comme toujours, je m'entraînais avec une amie proche avec les activités du club. Ce jour-là, nous avions prévu d'aller au karaoké ensemble après notre longue séance d'entraînement. Ok, c'est parti. Très bien. Alors du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est inspiré d'une histoire vraie ? Alors du coup, attends, que je me remette dans le bain. On est une lycéenne, on incarne une lycéenne. On fait notre entraînement de basket avec notre pote dans ce club absolument pas du tout glauque. Enfin, dans ce comment on appelle ça ? Un j'allais dire un stade, mais non. Comment on appelle ça les crozes ? Un terrain ? Un terrain. Il est glauque le terrain, non ? Salut Max, j'aimerais pas faire mon... Un gymnase, c'est ça ! Eh, j'aimerais pas faire mon gymnase ici, moi. Mon sport ici, hein. Bon. Et après, on va au karaoké, c'est ça ? Basket et karaoké. C'est parti. Ah, on a les sous-titres français, trop bien ! Entraînons-nous à faire des lancers francs. Ah, je dois m'entraîner ? Oh, trop bien ! Oh ! Je suis trop fort, moi, au basket. Nice. Boum ! Premier coup. Merde. Eh non ! Dommage, à moi. Merde. Nul, 0. On devrait y aller. Oh, l'entraîneur, et vous deux? Vous ne savez pas lire l'heure? L'heure de rentrer chez vous. Ah mince. Je nettoierai, vas-y. Oh là, et à tous les coups c'est l'entraîneur le psychopathe, non? C'est une salle de gymnastique typique du Japon, je trouve. Ah d'accord. Donc tous les gymnases sont glauques là-bas. OK, on est dans les vestiaires là, c'est ça? OK. Prenons nos affaires. Utiliser lingette. Ah et du coup les crozes, j'ai pas vu vos réponses, c'est inspiré d'une histoire vraie ou pas ce jeu? Ou c'est de la fiction? Ça c'est intéressant. Déodorant. Ok. On a tout. Bon, n'oublions pas que c'est un jeu d'horreur. Hein. Donc à tout moment il se passe des dingueries. En tout cas, là, ça fait très réaliste. Nous aurons fait notre petite séance avec notre pote. On prend nos affaires dans le casier. Voilà, on prend nos choses. Attends, il y a encore les chaussures de notre amie, là, non? Elle a dit qu'elle allait nettoyer. On l'a laissée seule avec le prof? Waouh. Oh, ça fait bizarre de voir des CD. Bah les crozes, on y va. Hein. Oh là là, on a laissé notre amie toute seule là-dedans. Ça a pas du tout ça. Récupérer mon vélo. Ah, ça doit être la camionnette du prof. Ouais, le prof, à mon avis, c'est le méchant. À tous les coups. Putain, c'est immense, eh. Faut qu'on trouve notre vélo. Alors, le vélo. Là-bas. Ah, regardez, il y a le vélo de notre amie. Donc, elle est encore là-dedans. Oh, j'aime pas ça, moi. Ah non, dans la vraie vie, je partirai pas sans elle. Hein. Monter sur le vélo. Bah oui, j'ai pas le choix. Tu la reverras sûrement pas. Je crois que notre amie, là, c'est muerte, hein. Wow!
Ouais, rentrer seul en pleine nuit, c'est pas bon non plus, hein. En général. Est-ce que je peux sortir de mon vélo, non? Ah! Je peux y aller là? Karaoké! Ah, le panneau karaoké, c'est là! C'est par là que je dois aller! Oh non, mais c'est glauque! C'est quoi cette rue là? Tu aurais dû aller voir dans le gymnase. Est-ce que je pouvais? C'est glauque par ici, hein. C'est un super endroit pour faire un karaoké. Ah mais t'as vu ça? C'est pas normal. Oh putain, ça m'a fait peur, il y a une voiture. Il y a une voiture, tout va bien. Pourquoi il s'arrête? Une camionnette en plus? Je trace mon chemin. What the fuck, pourquoi elle s'est arrêtée devant moi la camionnette? Oh! Putain, elle m'a fait peur, elle! Karaoké, c'est par là. Bonsoir, madame. Vous promenez votre chien? Et il est très moche. Bonne soirée. Il y a des gens bizarres ici. Et ils sont trop forts, hein, ces mecs là. Je vous jure, je vais faire tout leur jeu, c'est sûr. Attendez, je vous lis. Salut Lylos. Coucou Romy, ça va? Je vais bientôt devoir commencer mes lives à 21h30. Hein. Ok. Karaoké. Lylos, merci beaucoup. Attends, je vais mettre ça comme ça. Comme ça, je verrai les. Oh, j'ai une sonnette! Je savais pas. Merci Lylos, merci pour ton sub. Trop gentil, merci. Ok, karaoké, c'est par là. Alors, je sais pas pour vous, dans la vraie vie, moi je déteste les karaokés. Enfin, j'aime pas chanter, je trouve ça malaisant. Et encore plus, je sais pas, avec mes potes dans une pièce, c'est... Jamais été friand de ce truc. Sauf si t'es bourré. Si t'as picolé, ça peut passer, effectivement. J'espère vraiment que notre amie, elle sera... Ah, téléphone, Mueka. Allô? C'est notre pote? Moi, c'est moi, ouais. Ah, ça va, elle est vivante. Désolé. J'ai été arrêté par l'entraîneur? Tu peux y aller et chanter? D'accord, mais ça va? Attends. Quoi? Elle me lâche pour... Elle me lâche pour un entraîneur, là? C'est quoi ces conneries? À mon avis, l'entraîneur, je le vois, tu sais, avec un couteau sous la gorge de la meuf en mode, vas-y, dis-lui ça. Dis-lui ça au téléphone ou je t'égorge. Un truc comme ça, tu vois. Bon, on part peut-être un peu trop loin, là. On va être tout seul au karaoké, mais c'est nul. Ah, on y est, je crois. Attends. Et encore une camionnette, là. Ah, c'est là, ouais. Ici. Ok, ça y est. Alors, le karaoké, il est là. Par contre, je vois encore une...
Une voiture là, avec les phares allumés. Entrer dans le karaoké. Alors, quelqu'un m'a dit qu'il y avait 6 fins différentes dans le jeu. Il y a 6 fins différentes. Alors là, le problème, c'est que quand on me propose de rester là, bah, qu'est-ce que je dois faire en fait? Genre, si je veux pas rentrer, je fais quoi? Je me balade? On va rentrer. Ok, Nova, 6 fins. Ça marche. Allez, on rentre dans le karaoké. Il y aura peut-être une meilleure ambiance, dites-moi. Bonsoir. Je viens pour me casser la voix, les gars. Employé du karaoké. Excusez-moi. Ah, elle a une tête de gentil, ça va. Ah, enfin quelqu'un de normal. Ah, oui. Ouais. J'aimerais enregistrer 2 étudiants pour 2 heures. Hi. Très bien. では12号室をご利用Veuillez ください。utiliser la salle 12. ドリンクバーも適当にご利用N'hésitez pas à utiliser le drink bar aussi. Ah, je vais me bourrer la gueule ce soir. Je peux lui reparler ou pas? Non. Ok, on a un monsieur qui est là. Je peux lui parler? Non. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? C'est une. C'est la cafette? Ah, c'est ça. Ok, il se fait un café. Bon, la salle 12. Ah, j'ai envie d'aller dans un karaoké japonais maintenant. Ok, en tout cas, là, c'est la 23 est prise. Oh non, c'est encore elle. Non! N'approchez pas. Des crocs, c'était sûr! Quoi, je ne peux pas entendre. Allô? Tu peux m'entendre? Oh non. C'était l'entraîneur. Ne me touchez pas. Allez, super Toshi, mets ta cape et allons buter ce pervers. Alors attends, du coup, ce qui va être drôle, c'est est-ce que je vais vraiment aller chanter là? Ok, la 27, c'est rock and roll, baby. Elle est où la 12? Elle est là. Mais du coup, non, attends, non, mais je comprends pas. Elle vient de m'appeler en mode me touchez pas, arrêtez. Et moi, je vais aller chanter? C'est curieux. Ah ouais, on est tout seul du coup. Bah ouais, ça sert à rien, elle est pas là. On va pas chanter tout seul les crosses quand même. Ça serait con, non? Comment ça, chanter? Bah... Ça va être drôle, je le sens. Attends. On peut choisir? Attends. On peut choisir nos musiques? Oh, on dirait un animé. On a quoi encore? Notre pote se fait violer, mais nous on chante! Notre pote se fait tuer, mais on s'en bat les couilles, parce qu'on aime le Japon. Démon perdu. Allez, pour l'honneur de notre amie qui est maintenant morte, nous allons chanter Démon perdu. C'est pour toi.
tutoriel du mini-jeu, c'est pas vrai. On va vraiment jouer. On va vraiment. Ah, RFV, c'est quoi ces conneries? RFV, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Appuyez sur RFV pour frapper les notes. Oh, bah attends, ma pote, elle est en train de se faire tuer. Ma pote est en danger de mort. Et je vais chanter là? Oh putain, c'est drôle. Le live est en train de prendre une toute autre tournure que celle attendue. Bon. Vas-y, fais péter le carac. Ok, on est bon. J'ai compris le système. À notre ami regretté. C'était une très bonne partie de basket. Fallait pas nettoyer la salle. Fallait me suivre. On aurait fait du vélo. On aurait chanté. Mais au lieu de ça, t'es en train de te faire charcuter par notre entraîneur de basket. J'adore ce jeu. Oh, il y a un chat en plus. Ils ont mis un chat. Il y a quelqu'un sur le côté. Quoi? Ah ouais, putain, on peut regarder autour. Attends. De quoi il y a quelqu'un sur le côté? Il y a quelqu'un à droite? Quoi? Il y a quelqu'un qui nous regardait là? Attends. Là, vous me faites flipper. Putain, j'étais dans une bonne ambiance, là. 56 000. D'où il y avait quelqu'un à côté de moi? Lance-toi dans la musique, Toshi. Ben ouais, je sais, j'y pense. Toshi postule à The Voice samedi prochain. Je sens que ça se moque dans le chat, va y avoir des bans. Dans le couloir, une personne est passée. J'ai vu une personne, moi perso. Il était resté quelques secondes. Il t'a regardé, oui, il est parti. Je commence à avoir un peu soif. Je devrais aller prendre un verre au bar. Ouais, eh ben écoute, lève-toi déjà, ce sera pas mal. Non, je veux pas rejouer. C'est bon. Alors, vous me dites qu'il y avait quelqu'un à la porte. Il a bien aimé ta voix. Mais Bonnie, c'est peut-être ça, hein. Ah, il y a la 13 maintenant. Alors, faut qu'on trouve le bar. On a soif. Il est où le bar? Oh putain, elle m'a fait peur, elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh, c'est peut-être elle qui m'a regardé tout à l'heure, non? Attendez, Cross, la personne qui était derrière la porte, elle avait un téléphone ou pas? Vous avez vu? C'était peut-être elle, hein. Putain, elle m'a fait peur. Il est où le bar? Faut que je picole, là. C'est là? Ah, c'est là, putain. Ok, qu'est-ce qu'on se prend? De ice, vas-y. Verre à glaçon. Oh, c'est bon, ça. Y'a pas d'alcool. Comment je bois? L'entraîneur vient pour toi maintenant? Je vais le faire fuir avec ma voix. C'était un mec avec un t-shirt rayé. Ah, c'était peut-être celui qu'il y avait là, non? Tout à l'heure, quand on est rentré, il y avait un mec là. Elle est mineure, Toshikro, pas d'alcool. Ah merde. Mais il y en a pas là, je crois. On a pris du jus de melon. Ok, on va retourner à notre salle. Ah, et si elle est mineure, il faut pas boire. Dommage. Attendez, je vais mettre nom. What? C'était lui? Attends, pourquoi il y a un mec au milieu comme ça? Mec, pourquoi tu bouges pas là? C'est lui? Putain, il a un t-shirt rayé. C'est lui? Pourquoi il est là? Pourquoi il bouge pas?
Mais même le karaoké, il est flippant. Mais jamais je vais au Japon, moi. Ah, il a disparu. Il s'est barré. Il était là. Oh non, ça craint. Il y a tellement un contraste entre le côté glauque et les musiques qui passent comme ça. Je peux pas sortir. Ah, je peux pas sortir. Bon, on a trouvé le monsieur au t-shirt rayé. Allez, on retourne chanter. Ouais, c'était lui, hein. Ok, moi je l'avais pas vu, mais si vous me dites que c'était lui... Attends, ça dit qu'il y avait déjà un verre? Attends, quoi? Il était pas là, ce verre, tout à l'heure? Attends, on me dit pas que quelqu'un est rentré dans notre salle, là? On a trouvé celui qui nous regardait à la porte tout à l'heure. Ouais, c'était lui, hein. C'était lui. Et il a disparu, là. On l'a vu, il a disparu. C'était pas là avant. Où est passé le personnel? Mais oui, il n'y a même plus de personnel. Mais Sarah, t'as tellement raison, il n'y a même plus de personnel. Bon. Allez, je vais rechanter parce que là, ça va pas du tout. Hein. Je me sens pas bien. Oui, allez. Non, je le bois pas. Hey, le verre qu'il y a là, je le bois pas. Hein. Non. Il est où l'autre verre? Je veux boire lui, moi. Ils ont mis de la drogue dans ce verre. Moi, j'en bois pas. J'en bois pas, c'est mort. Et on connaît, hein. Allez, qu'est-ce qu'on se met? Putain, je suis obligé de boire. Oh, je suis obligé, j'ai pas le choix. Il t'offre un verre, c'est Mims. Les croches, j'ai peur et en même temps, enfin c'est un ressenti très bizarre. Je crois qu'ils sont très doués, ces développeurs-là, à faire un truc ultra réaliste. Ça te met trop dans le mal. Oh putain, merde! C'est parti! Je tiens à dire qu'on n'a plus du tout de nouvelles de notre amie. Hein. Elle est totalement morte, les croches. Hein. Oh, on est bon là. On est bon là. Attendez, la porte. Faut que je regarde la porte, hein. Regardez la porte, les creuses. S'il y a quelqu'un, vous me le dites. Moi, je peux pas voir. Il est passé encore. Il est passé? Non. On est bon là. Alors par contre vous êtes en train de me dire qu'il est repassé. Vraiment. Il est vraiment repassé à la porte. Putain, je l'ai pas vu. Je suis trop concentré sur le jeu. Je regarde la porte depuis tout à l'heure et j'ai vu personne. J'ai vu une fois. Bravo chef. J'ai tout donné. Hein. 61 points, c'est pas mal. Je devrais prendre de quoi manger pour nous deux. Que dois-je commander? Ah. Il faut que je commande à manger. Mais elle a encore espoir que elle a encore espoir que notre pote va nous rejoindre là. Ah, il y a téléphone, attends. Ah, on va demander à manger directement. Ah, pas mal. Ouais, comme à l'hôtel quoi. J'aimerais commander. OK. Juste dites-le. Les crocs, un burger, hein. Ça va partir sur un burger. Hein.
pizza poulet. Ah, il y a pas. Putain, c'est vrai qu'on est au Japon. Et au Japon, c'est le poulet, les tout ça. Il y a de la pizza. Qu'est-ce qu'on se prend, les creuses? Alors, pizza, poulet frit ou takoyaki. J'ai mangé du poulet frit, moi, ce soir. C'était bon. Dans la vraie vie, hein. Pas dans le jeu. Je sais pas pourquoi je sens il va rentrer d'un coup. Non, impossible. Mais c'est même pas sûr qu'elle arrive en vrai. Bah oui, peut-être qu'elle là, elle est en train de se faire tuer. C'est ça que je dis depuis le début, tu vois. Alors, vous dites quoi? Poulet, taiyaki, pizza, poulet. Toyaki, comme ça on reste dans le thème. Toyaki, ok. Allez, ça part sur le toyaki. Deux à trois minutes, c'est parfait. Mademoiselle, y a un mec bizarre avec un t-shirt rayé qui se balade dans les couloirs du karaoké. Donc faites attention en venant m'apporter la nourriture. Cordialement, Toshi. Vous êtes la fille de la salle 12. Oui, c'est ça. Exactement. L'uniforme, une lycéenne. Bah oui. Et pourquoi? Oula, elle est dans le coup, elle. Oui. Attends, elle est dans le coup, elle. Pourquoi elle me demande ça, l'uniforme, une lycéenne? Elle a pas à dire ça, normalement. Oh là là, attends. Oh là là. Creepy, hein. Drapeau rouge, red flag. Je peux même pas sortir. Ok, on va relancer une chanson. C'est de plus en plus bizarre, hein. J'aime bien ça. Bon, regardez la porte. Moi, je vais faire mon meilleur score. Je dois battre 61. Allez. Regardez la porte, hein. Y'a rien à la porte là, hein. Ta merde! Comment je quitte? Attends. D'où il est rentré là? Qu'est-ce qui s'est passé? Les creuses? Y'a le mec encore, il est là. Oh, purée, j'ai flippé, j'en étais sûr. La troisième sera notre fin. Wesh. Puis pendant ce temps, Toshi kiffe de plus en plus le karaoké. Non, attendez, là, non, on rigole pas, là. C'est la fin des haricots, on est d'accord, hein. Non, mais au calme, le gars, il rentre, je suis en train de chanter, il rentre. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'il est rentré. Moi, je croyais qu'elle allait me sauter dessus et me frapper ou j'en sais rien, tu vois. Non, il est rentré. Il m'a regardé 2 secondes. Et il a couru, il est parti. Bon, eh, j'ose plus sortir, hein. La commande est d'elle déjà. Ah putain, faut que j'aille. Je devrais les appeler. Ah putain, oui. Alors attends. Ok, la commande était. Ah, non, par contre, c'est vrai que. La prochaine fois, je ferme ma clé, non? Alors, est-ce que la commande est. Eh, j'espère que. Là, attendez, je préchote le truc. Je vais essayer de lire dans l'avenir. Je pense que je vais prendre le téléphone. Et, où est mon poulet teriyaki, s'il vous plaît? Mais ce sera plus l'employé qui va répondre. Ça va être le mec au t-shirt. Ça va être le mec au t-shirt rayé. C'était incroyable, vous avez kiffé les creuses? C'était une très belle perf de ma part, hein. J'ai tout donné. Hein. Bon allez, go.
C'est plus long que McDo. Attention, est-ce que ma prédiction était bonne? Vous le sentez venir? Est-ce que vous avez envie d'y aller là? Est-ce que vous avez envie de sortir de la pièce et d'aller au comptoir pour voir? Moi non. La pire idée du monde, elle est dead. Non, elle est foutue là, les croissants. Elle est foutue. Elle est totalement morte. Elle est partie en pause, non, c'est pas possible. Non, non, elle devait nous ramener notre poulet depuis 15 minutes là. Ils sont tous morts. Putain, mais attends, attends, parce qu'on reprend là depuis le début, ça voudrait dire que notre amie s'est faite kidnapper ou je ne sais quoi par l'entraîneur, et nous, on va se faire kidnapper ou je ne sais quoi par un psychopathe du karaoké. Mais y a que des fous au Japon. Tu fais ton sport, l'entraîneur, c'est un taré. Tu vas au karaoké, le gars, c'est un taré. T'es pas tranquille, hein. Allez obtenir la commande. Le service, il est déplorable. Après, ça me rassure, il y a quand même des gens là. Il y a des gens dans les pièces, donc ça va. Bon. Allons voir ce qui se passe. Ma commande. Comme par hasard, elle est pas là. Mais elle est où? Et peut-être dans la salle du personnel, c'est où ça? La salle du personnel. Ah, c'est là. Oh, il va y avoir un corps là-dedans. C'est tellement sûr. Il va y avoir un cadavre. Putain. Excusez-moi. N'entends rien. Entrons. Oh putain, elle est là. Ah putain, ça va aller vivante. Elle s'en bat les couilles. Hey, vous pouvez pas venir ici comme ça. C'est la salle réservée aux employés. Mais meuf, et mon poulet là? J'ai faim? Qu'est-ce que tu fous là? Ma commande n'est pas arrivée. Elle devrait être sur votre table. Quoi, vous avez autre chose à dire? Non. Cordialement, la direction. Donc elle est encore sur son téléphone, elle s'en bat les... C'est la pire employée du monde. Hein. Ok, ma bouffe est censée être arrivée. Moi, ce qui me fait peur, là, c'est... Bah, c'est le mec, hein. Putain de merde! Mais il est sérieux, lui? Mais... Il était dans ma... Non, 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 attends, il était dans ma pièce encore, là. Mais qu'est-ce qu'il a, putain? Ça le fout, va. T'es où? Attends, c'est pas possible, là. Je vais me plaindre, hein. Est-ce que je peux retourner voir l'employé? Je vais lui dire qu'il y a un taré, là. Je peux retourner ou pas, là? Vas-y. Ah non, c'est verrouillé. Oh la conne, elle s'est verrouillée. Non mais attends, qu'est-ce qu'il foutait dans ma pièce là? Mon copain a sursauté. Ouais, il me stalk. Je crois qu'on est sur un stalker de compète, hein. Tu vas avoir ton dîner. Mais il a craché dedans, il a fait quoi dedans? Hein? Il a fait quoi dans la bouffe? Il peut avoir fait n'importe quoi. Moi, je mange pas. Je le mange pas, le poulet. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait dans le poulet, les crozes? On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il a foutu dans ma bouffe? Après, il avait peut-être faim. Hein. Oula, oh là 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 là. Non, mange pas ça, s'il te plaît. Des frites. On n'a pas commandé de frites. C'est la mauvaise commande. Oh putain. Ce type était-il l'un des employés? Vu comment il courait, il y a clairement quelque chose à se reprocher. Hein. C'est pas un... Pour moi, c'est peut-être ça. Vous en pensez quoi, vous? C'est un employé ou pas, le mec?
C'est possible, mais moi j'y crois pas. Attends, d'où tu rentres comme ça, d'où tu cours, c'est suspect. C'est pas un employé quand même. C'est peu probable vu son comportement. Exactement, Donovan, je pense comme toi. Non, c'est pas un salarié. Il est très louche, ouais. Il est trop suspect. Ouais, non, je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, on est tous d'accord, les Crozes. Pour dire que ce mec n'est pas normal. Qu'est-ce que je fais du coup? Ah, je dois rechanter? Oh, putain. Bon, bah, je dois rechanter les Crozes. Ah, je dois vraiment les manger, putain. J'ai pas le choix. C'est pas ma commande, mais je m'en bats les couilles, je mange. J'en étais sûr. Il y a quelque chose dans les frites. C'était évident. Il est dans le complot. Ou alors c'est un ancien employé qui s'est fait virer et qui veut se venger du karaoké à tous les coups. C'est pas mal comme théorie, j'aime bien. Ouais, zéro spoil les crosses dans le chat, hein. Ceux qui connaissent déjà le jeu, l'histoire, surtout ne dites rien, laissez-nous le suspense. Hein. Elle a zéro instinct, non mais clairement, elle s'en bat les couilles la meuf. Hein. Ouais, paye ton repas, il y a que dalle dedans. Bon. Non, elle a aucun instinct de survie, on est d'accord. Une adresse mail? Quoi? Adresse mail? Dégueulasse. Ah, à tous les coups, il veut la pécho, non? N'hésite pas à m'envoyer un message. Nécrose. Je crois qu'on est sur un gros lourd. Je crois qu'on est sur un gros lourd. Yutaro, il s'appelle. Yutaro1101@yabai.jp. J'ai plus qu'une musique, les Crozes. J'ai plus qu'une musique. Elles sont où les autres? On dirait que le mec, il a eu le temps de me mettre une musique chelou là. C'est quoi ce psychopathe encore? Ah là, mais il va nous regarder, c'est sûr. On a mis sa musique là. Attends, on a mis sa musique, il va nous regarder là. Attends. Putain, il va nous sauter à la gueule. Oh là là, il va se passer un truc de terrible. Je le sens. Je suis la fille la plus naïve du monde. Moeka. Allô, Moeka? Tu es en retard. Je suis déjà là et je chante. Mira? Je vais pas au karaoké. Qu'est-ce qui va pas? Allô? Je me casse. Oh là là, non, 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 non. Coupure de courant. Sérieux les gars? Déjà que le karaoké était glauque, en plus vous mettez une coupure de courant, bande d'enfoirés?
Ah, on a une lampe torche. Ah, on se sert du téléphone pour la lampe. Ah, ça, c'est cool. Attends, elle est encore là, l'employée, ou pas? Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Y'a plus personne? Attendez. Y'a plus de musique, y'a plus de gens, y'a... Je suis tout seul, là? Oh, putain de merde! Oups, mon doigt a glissé XD. Heureusement que je fais de la méditation tous les jours, je vous jure. Heureusement que je médite et que je fais du yoga. Hein. Donovan, tu nous as tous eu là. Tu nous as tous eu, putain. Bon, reprenons nos esprits. Ne faites plus jamais ça, les roses. Je veux que ce soit le seul don de la soirée, ok? Il faut que je parte, là. Attends, coupure de courant. Mais pars! Pourquoi je peux pas sortir du karaoké? Mon ami est en danger. L'autre, j'ai un stalker dans le karaoké. Et coupure de courant. Qu'est-ce que je fais encore là, les gars? Ah, il y a un téléphone, là. Attends. C'est le téléphone de Moeka? Attends, c'est le téléphone de notre ami? Qu'est-ce qu'il fout là, le téléphone de notre pote? Salut, Naeria! Attends. Qu'est-ce que le téléphone fout dans le karaoké? Alors qu'il y a 3 secondes, elle nous a dit qu'elle pouvait pas venir. Elle nous a dit, Toshi, je peux pas venir chanter avec toi. L'entraîneur vient pour toi. Attends. Peut-être que c'était pas l'entraîneur. Hein. On sait pas. Hein. Pourquoi le téléphone, il est là? Waouh, ça devient glauque, là. Soit son téléphone a été pris, soit elle a été emmenée de force, on ne sait où. Qu'est-ce que le téléphone fout là, les roses? Putain, je peux toujours pas sortir. Hein. C'est une dinguerie. What? Bon, les creuses, ça sent la fin. Il y a combien de téléphones là? La musique, s'il vous plaît, la musique. Va y avoir un jumpscare. On peut courir, ça c'est cool. Comment elle fait flipper? C'est quoi ça? Pourquoi? Attends, c'est notre ami? C'est Moeka? Moeka, qu'est-ce que t'as? Mais t'es là? Pourquoi ne m'as-tu pas aidé? Je t'ai appelé plusieurs fois. Je suis hanté par son fantôme. Attends, non, on me dit... Oh, on l'a pas aidé au début du jeu, elle s'est fait tuer et elle vient nous hanter parce qu'on n'est pas allé l'aider. Oh non. Non. C'est ça? C'est son fantôme?
Waouh. Ah, attendez, on n'est pas mort. Je suis désolé, Mira. Allô, Moeka ? La photo que je viens de t'envoyer ? Il a remarqué que j'avais envoyé la photo. S'il te plaît, sors de là. Il se dirige vers toi ! Une photo ? Quelle photo ? Je me sens malade. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Attends. Moeka, notre pote, elle a envoyé une photo. L'entraîneur, il a vu la photo et du coup, il se dirige vers le karaoké. Bon, je me casse. Allez, c'est bon. Je vais chier. Et je me casse. Où sont les chiottes ? Les toilettes ne sont pas par là. Ah, c'était un rêve qu'on a fait alors tout à l'heure. C'est ça ? On s'est endormi, non ? Entrer dans les toilettes, oui. Bah, le malade, à mon avis, on sait pas trop c'est qui le gars là qui arrive. Pour moi, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur de basket. Allez, va pisser là, dépêche-toi. On va se faire tuer. C'est quoi ces chiottes? Y'a pas de lumière? Bon, y'a du PQ au moins. Et... quelle était cette photo dont elle parlait? Oh, elle m'envoie une photo. C'est une photo du karaoké. C'est qui ça? Qu'est-ce que c'est? C'est qui ça? Oh putain. L'entraîneur. C'est l'entraîneur. Est-ce que ça pourrait être? Je dois appeler Moeka. Faut qu'elle réponde là. Moeka répond. S'il nous chope, on est mort. Elle répond pas, ouais, c'était sûr, c'était évident. Bon. Allez, on a fait pipi, on a fait caca, tout va bien. Faut que je sorte de là, putain. C'est anxiogène. Qu'est-ce que je dois faire? Mais partir? Putain. Je me sens tellement seul dans ce karaoké, vous avez pas... Ah! Elle n'est toujours pas là. C'est vrai qu'elle est toujours pas là, attendez. La meuf, elle bosse plus. Elle a décidé de plus travailler. C'est verrouillé. Je sais pas où elle est. Le camion du début. Oh, y a le camion là. Mais oui. Oh, le bâtard, il a bloqué la sortie. C'est le camion du gymnase. Souvenez-vous, au début du live, je vous ai dit « Ah putain, ça doit être la camionnette du basketteur. » C'est celle-là, non ? Il a bloqué l'entrée, ce bâtard. Je peux pas sortir ? Il a mis le camion juste devant, cet enfoiré. C'est le prof de gym, ouais. C'est son camion, hein. Ok, il y a la sortie, là. Sortie de secours. Je peux pas, putain de merde. Oh, elle est plus là. Vidéo de surveillance. Ok, j'aime ce qui se passe. Non, c'est la porte de derrière. Non. Oh, la tête de psychopathe qu'il a. L'entraîneur est là. Appelons les flics. La police a dit que ça prendrait 4 minutes pour qu'ils arrivent ici. Je me suis enfermé dans les toilettes, les crozes. Je dois me cacher en attendant. Oh, il est là. Appuyez sur C pour vous filer. Oh, oh putain, sa mère. Ok, on a le gros timer en wagon. Coco Kana. Je reste dans les toilettes. Je bouge pas, hein, je sors pas, non.
je reste pendant 3 minutes 20 dans ces chiottes. Ah, oh, j'aime pas sa voix, elle est angoissante. Je peux pas verrouiller mes chiottes, Max. Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, hey, les crows, dites-moi juste, est-ce que vous kiffez le jeu ou pas? Je vous jure, j'adore. Oh putain, génial. Si j'arrive à me glisser derrière lui. Oh putain. Si j'arrive à me glisser derrière lui. Ok. Oh putain, si seulement je pouvais le tuer, ce bâtard. Je veux cette fin-là. Je vais tout faire pour le planter. Comme il se doit. Non, 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 il est trop rapide. Il est trop rapide. Faudrait qu'il vienne par là, que je me cache et que quand il sort, je sors. Putain, je veux la fin, que je le tue. Je veux le planter, les crocs, je veux le planter. Je veux le planter, cet animal. Alors, est-ce qu'il va venir vers moi, là? Ouais, dans le doute, j'y vais. Ok, dès qu'il va sortir de la pièce, je... Dès qu'il sort de la pièce, je fonce et j'essaie de le planter. Allez. Merde, j'ai fait du bruit. Putain. Oh putain. On l'a planté, les crozes. Oh, quelle jouissance. Trop bien. Alors attendez, la police est arrivée. L'entraîneur a été emmené à l'hôpital. Mais il ne s'en est pas sorti. Yes! On l'a tué. On m'a jugé pour légitime défense. Bah tu m'étonnes. Donc je n'ai pas été inculpé. Ah bah attends, et il manquerait plus que ça. Imagine la meuf. Elle fait de la tôle parce qu'elle a poignardé le gars. Ok. Par contre, le mec en t-shirt rayé, là, c'était juste un mec qui voulait donner son adresse mail, au final. Bizarre. Merci pour les GG, les crozes. On a eu la première fin, ok. Et exact, c'est ça. La culpabilité de prendre la vie à quelqu'un et le soulagement de savoir qu'il n'y aura plus de victime. あの時の私にはあれしか方法がなかったのです。あの感覚は忘れること今でもあの時のことが悪夢となって私を襲い。あ、まあ、là, je pense, elle est trop ma vie, la go. Y aura-t-il un jour où je serai libéré de lui? Ouais, stress post-traumatique, je crois. Ending 1 sur 6, ok. Oh. Ah, j'ai envie de faire les autres fins. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis en voiture? Attendez, c'est pas fini. Bah ouais, sa pote, qu'est-ce qu'elle devient, sa pote? Elle est morte? Sa chance du vélo, ouais. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, non, non. Attends, y a un mec là. Non, ça va par quoi? Mitsuketa. Pfff.
Oh là 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 là. C'est quoi ce jeu de malade? Incroyable, la fin elle est incroyable. En gros, je pense que c'était pas le l'entraîneur, c'est impossible vu qu'il est mort. Mais je crois qu'elle a, je sais pas, elle a une espèce de karma maintenant où elle attire tous les psychopathes de la ville. Oh putain, la vache, c'est horrible. C'est horrible. Toutes les fins sont décrites sur internet, ok. Bah écoutez, les Crows, c'était incroyable. Putain, il y a eu beaucoup de gens hein, sur le développement. C'était trop bien. C'était trop bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un jeu d'horreur aussi bon, je dois vous l'avouer. On était sur un jeu de qualité phénoménale là. Et quand je me dis que ces développeurs là, ils ont fait 20 autres jeux qu'on n'a pas encore fait, ça promet hein. Bon les Crows, préparez-vous hein. Les prochains lives, il y aura que ça. Ça va être que ces développeurs là, ça va être les mêmes jeux. Préparez-vous, ça va être trop bien.